Comment vas-tu, petit jaguar? Aujourd'hui, nous verrons une leçon sur les déterminants. Mais qu'est-ce que c'est un déterminant? Pour le découvrir, voyons deux situations. Voici Émile qui observe quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Émile dit que c'est un rat. Il te manque un mot, Émile. Voici Naïli qui arrive avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Naïli répond, c'est lapin. À toi aussi, Naïli, il manque un mot. Et toi, petit jaguar, sais-tu quel mot nos deux amis ont oublié? Voyons leur nouvelle tentative. Cette fois, Émile dit, c'est un hara. C'est au tour de Naïli. Elle dit, c'est mon lapin. Bravo, c'est correct. Revoyons les deux petits mots qu'ils ont ajoutés. Émile a rajouté un. Le mot que Naïli a rajouté est mon. Les mots un et mon sont des déterminants. Un déterminant est un petit mot qui en désigne un autre. Tu sais, petit jaguar, il existe d'autres déterminants. Nommons quelques objets qui nous permettront de les découvrir. Sac. Mangue. Vélo. Bague. Ballon. Remarque qu'il y en a plusieurs. Maintenant, désignons chaque groupe d'objets avec des déterminants. Un sac, un vélo. Le sac, le vélo. Ce sac, ce vélo. Mon sac, mon vélo. Son sac, son vélo. Ton sac, ton vélo. Notre, votre et leur sont les derniers déterminants qui désignent des mots tels que sac ou vélo. Passons maintenant au deuxième groupe. Une mangue, une bague. La mangue, la bague. Cette mangue, cette bague. Ma mangue, ma bague. Sa mangue, sa bague. Ta mangue, ta bague. Notre, votre et leur sont les trois derniers déterminants qui peuvent désigner des mots tels que mangue ou bague. Passons au dernier groupe. Des ballons. Les ballons. Ces ballons. Mes ballons. Ces ballons. Ces ballons. Nos, vos et leurs sont les derniers déterminants qui désignent des objets lorsqu'ils sont plusieurs. Voici le moment de nous entraîner. Nous lirons des suites de mots, puis nous devrons trouver
le déterminant. 1. À qui part? Quel est le déterminant? C'est le mot 1. Une banane. Quel est le déterminant? Le déterminant est une. Sa copine. Quel est le déterminant? Le déterminant est ça. Maintenant, nous lirons des phrases et il faudra également retrouver le déterminant. Je lave mon chien. Cherchons le déterminant. Le déterminant est mon. Il range ses jouets. Quel est le déterminant? Le déterminant est fait. Pour terminer, voici deux exercices que tu devras faire tout seul. Je te donne la consigne du premier. Réécris les mots avec un déterminant de ton choix. Voici la consigne du deuxième exercice. Réécris cette phrase, puis entoure les déterminants. Tu auras besoin de quoi écrire. N'oublie pas de mettre la vidéo sur pause. Au revoir, petit jaguar.